Bienvenue à notre quatrième journée de prière 2023. Nous poursuivons notre étude sur l'adoration devant l'autel de Dieu, qui est le thème de ces 10 jours de prière 2023 de l'Église Adventiste Mondiale. Si nous cherchions à résumer en un seul mot les messages de cette semaine, ce serait le mot « adoration ». Ce soir, nous sommes appelés à baisser la garde et à donner totalement notre vie à Dieu. Certains le feront seulement quand une grande crise financière, existentielle, émotionnelle, frappera à la porte. Mais nous n'avons pas à attendre ces circonstances. Nous pouvons le faire dès à présent. Le pasteur Bouillon t'invite à ne plus perdre de temps, mais à te tourner vers Dieu pour te soumettre à sa volonté et lui rendre toute la gloire qui lui est due. Peut-être es-tu habitué à entendre des prédications ou des méditations sur l'appel à la repentance et à l'adoration. Mais adorer Dieu ne se limite pas à lui chanter des louanges. Il s'agit de le laisser maître de notre vie tout entière. Cela inclut nos pensées, nos actions, mais aussi notre corps. Je te souhaite donc une bonne soirée, un bon visionnage, et on se retrouve à la fin après un temps d'adoration et de méditation. N'oublie pas, partage cette vidéo et à tout à l'heure. De la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix,
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour mon cher ami, ma chère amie, c'est vraiment super d'être ensemble. Nous sommes déjà à notre quatrième rencontre, le quatrième jour d'étude de la parole de Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui est le suivant, Dieu revient vers l'homme. Comment Dieu vous ramène-t-il à lui ? Pour commencer, nous allons d'abord lire le texte biblique. 1 Rois, chapitre 18, verset 30. Il est dit, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. De qui parle le texte aujourd'hui ? D'Élie. Dans quelles circonstances ? En temps de sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Les champs étaient secs, les arbres mouraient, l'herbe des champs était sèche, morte, il n'y avait pas de fruits. Et au milieu de cette tragédie physique, et sur ordre divin, Élie a envoyé chercher le peuple. Et que lui a-t-il dit ? « Approchez-vous de moi. » Et quand ils s'approchèrent, Élie fit préparer un autel. « Approchez-vous de moi. » Et Élie dit encore, « Reconstruisons maintenant l'autel. » Lors du deuxième jour de cette série de messages, nous avons parlé de ce que signifie construire un autel, ériger un autel. Nous avons également que dans chaque maison, nous pouvons construire des autels afin que nous sachions où nous adorons Dieu. Le plan de Dieu est d'appeler ses enfants, encore une fois, les appeler encore et encore. Pourquoi ? Car depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont éloignés. Ils ont pris leur distance, ils sont partis, ils ont tourné le dos à Dieu. Mais Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de lire le grand nombre de textes de la Bible qui disent à plusieurs reprises que Dieu a appelé son peuple, parfois même avec des larmes et des douleurs. Par exemple, au temple d'Ésaïe, celui-ci parle au nom de Dieu et dit « Le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. » Mon peuple n'a point d'intelligence. En d'autres moments, il a dit que le peuple est devenu comme un cheval qui donne des coups de pied. Le peuple est rebelle. Il est têtu. Dieu appelle et l'homme se met à courir. Dieu appelle et l'homme se cache, s'enfuit. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés parmi les arbres. Ils étaient désormais à moitié nus. Ridicules. Ils ont essayé de remédier et de résoudre le problème de la nudité et du péché que le péché avait apporté. Ils ont essayé de remédier en couvrant leur nudité avec des feuilles et des figuiers. Ils étaient ridicules. Le fait est que le péché nous conduit au ridicule, à devenir la risée des pauvres gens. Les êtres humains se détournent de Dieu, s'attirent des ennuis et tentent ensuite, avec leurs propres mains, de résoudre leurs problèmes. Mes amis, les intentions humaines ne résolvent rien.
Le grand problème de la société d'aujourd'hui n'est pas qu'il n'y a pas assez de maisons pour vivre, qu'il n'y ait pas assez de nourriture pour nourrir les gens. Ce n'est pas le manque d'emploi. Là, ce n'est pas le problème. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas, mais le vrai problème, le problème originel, c'est que nous sommes éloignés de Dieu et très loin de Dieu. Vous pouvez posséder ce que vous voulez, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Rien ne va vous rendre heureux. Je parle parfois avec des gens qui ont beaucoup d'argent et les larmes aux yeux, ils me demandent tous, « Pasteur, que se passe-t-il dans ma vie ?» J'ai de l'argent, mais une fois, j'ai été invité à dîner avec un grand homme d'affaires milliardaire qui m'a demandé ce qui manquait dans sa vie. Il m'a dit, je ne suis pas mauvais, je suis un bon homme, je suis bon mari, bon père, bon employeur, mes employés sont heureux avec moi, je donne de l'argent aux œuvres de charité, mais que manque-t-il ? Il ajoutait, « Je ne vous demande que deux choses. D'abord, ne me demandez pas de devenir membre de votre Église. Et deuxième, ne me parle pas de Jésus. » J'ai répondu, « Mais vous savez que je suis pasteur ?»« Oui, m'a-t-il dit. » Et les pasteurs ne savent pas parler d'autre chose. Ils savent parler que de religion. « Parle-moi d'autre chose. » J'ai répondu « Oui, je peux te parler de football, de sport, je peux te parler de la valeur du dollar, de la bourse, des actions. Je peux même parler de géographie, d'histoire, des peuples, de la littérature et beaucoup d'autres choses. Mais tu viens de me dire que tu es en manque de quelque chose. » Et je pense que tu n'as pas besoin de culture d'histoire ou de géographie. Ce vide que tu ressens dans ta vie, dans ton cœur, est le manque de Dieu. Car même si tu ne crois pas en lui, au fond de toi, tu as été créé et tu sais que tu as été créé par Dieu. Tu es sorti des mains de Dieu. Tu ne seras jamais heureux si tu te tournes de Dieu, si tu t'éloignes de Dieu. J'avais devant moi un être humain moderne. Cet homme versait des larmes. Cet homme pensait que bien se comporter, faire des bonnes actions était suffisant. Mais il ne vivait pas une relation d'amour, des communions avec Dieu. Résultat, son cœur était vide. Et que nous dit le texte sécheresse d'aujourd'hui? Il est dit qu'à l'époque d'Élie, le peuple était rebelle et têtu. Mais la sécheresse, justement, est arrivée. Et quand la sécheresse est arrivée, la soif est aussi arrivée. Avec la famine, par conséquence, la terre ne produisait plus rien. Dans sa tristesse, le peuple demande à Dieu, « Où es-tu, Dieu ?» Or, Dieu est là, au même endroit, il a toujours été. Mais les gens ne se rendaient pas compte que les problèmes de leur vie étaient dus à l'absence de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie Élie pour leur dire, « Venez, reconstruisons l'autel de Dieu. » Ce plaidoyer divin se trouve dans la Bible, tout au long de la Bible. Je vais vous le lire, un autre texte qui montre l'appel de Dieu. Jacques 4, 8. C'est un verset du Nouveau Testament et regardez ceci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Peuple de deux visages. Parce que pour être bien avec Dieu, pour vivre une vie de communion, d'amitié avec lui, ne suffit pas, écoutez-moi bien, ne suffit pas d'être à l'église. Ne suffit pas d'aller à l'église. Tu comprends? Ne pense pas que je suis en train de dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'église. Parce que vous vous rappelez du paralytique qui a été guéri par Jésus? Lorsque le paralytique a voulu le remercier, Jésus était parti. Mais Jésus lui avait dit d'aller à l'église. Et quand il est allé au temple, Jésus était là et il a pu le remercier. L'église n'a pas le pouvoir de vous guérir. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas que Jésus ne vous a pas guéri.
même si vous n'allez pas à l'église. L'église a bien sa place dans la vie. Mais d'autre part, quand vous pensez qu'il suffit d'aller à l'église une fois par semaine pour être chrétien, vous vous trompez, car il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut une vie de communion quotidienne avec Jésus. C'est pourquoi Jacques dit, « Venez à moi, vous qui avez deux visages, un visage à l'église et un autre visage pendant la semaine, au travail, dans la rue. » Pendant la semaine, vous vivez comme si Dieu n'existait pas. Mais le samedi, vous chantez, vous êtes touché, et parfois même vous pleurez en louant, n'est-ce pas? Qui est celui qui peut purifier votre cœur, purifier votre vie, votre âme? Uniquement Dieu. Alors moi, comme Jacques, je vais te dire, approche-toi de Dieu, de Jésus. Jésus a toujours les bras ouverts. Tu es la plus belle chose que Jésus a dans cette existence, dans cette vie. Il t'aime, il t'attend. Viens à lui maintenant, tout de suite. Que Dieu te bénisse.
Voilà, nous arrivons au terme de notre quatrième rencontre de prière. Quel message puissant! Comme il a dit notre invité ce soir, la seule solution pour notre vie spirituelle, c'est une vraie relation avec notre Créateur devant son autel. Cette relation te donnera l'assurance d'aller au-devant de ton Père et Créateur pour demander d'être guéri de quelque mal que ce soit. Que ce prière te donne également la foi de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car il t'aime plus que tout et ne veut que ton bonheur. Alors, allons-nous le laisser comme ça ? Abandonne tes peurs et jette-toi à ses pieds pour demander sa paix et sa guérison. Quant à nous, on se retrouve demain pour notre cinquième rencontre de prière 2023. D'ici là, n'oublie pas surtout de prier pour les 7 personnes que tu as mises sur ta liste. Abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo et que Dieu te garde. À demain.